Journal de bord. Et va prendre le journal de bord. Bon, ben, qu'est-ce que je te dise, ma chérie? Quand tu pleures au téléphone, ça rentre dans le profil de la perverse narcissique manipulatrice. Mais bon. Surtout quand 2 secondes après, tu deviens calme et tu dis « Ah, il faudra pas tout dire à la médiation familiale. Oh, tu demandes des visites. Ouais. Bon. Mais je t'aime quand même, Audrey. Mais je rentre pas dans ton manège de la manipulation de tu joues la traumatisée parce qu'il était passé 10 jours. Ils lui ont fait ci, ils lui ont fait ça. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé ces 10 jours, mais dans tous les cas, on l'a récupéré. Et il avait pas d'anus déchiré ou de traumatisme sévère. Au pire, ils l'ont sucé et ils l'ont masturbé. Bon. Dans tous les cas, une hypnose régressive. Et il nous donnera bien la mémoire de ces 10 jours. Enfin bref. Ah ouais, dire que moi j'ai fait du chantage et que t'as rien à te reprocher. Ouais. Alors le chantage que j'aurais fait, c'est bon bah si tu m'aimes pas, s'il te plaît, tu peux t'en aller. C'est vrai que dans la formulation, c'est du chantage. Si, alors. En même temps, ça c'est la déformation des programmeurs, développeurs qui fait de if else. C'est l'algorithme. Mais bon. Parce que c'est bien ce que t'as fait, toi. Tu couches avec moi, après tu dis que t'en as rien à foutre. Alors je te dis tout ça en amont. Surtout ne couche pas avec moi si c'est juste pour un coup d'un soir. Je vais pas te mettre dehors. Mais ne joue pas avec mon cœur, s'il te plaît. J'en ai marre de souffrir avec les femmes. C'est exactement ce que tu fais depuis 1 an. Et demi, bientôt 2. Donc quelque part c'est pas du chantage, mais c'est pire. C'est de la tromperie, l'escroquerie, du mensonge. Un abus de faiblesse. Et mon chantage c'est, bon si tu me pourris la vie, est-ce que tu peux aller au moins loin de moi, s'il te plaît? Oh, terrible mon chantage quoi. Enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Moi, c'est le deuxième week-end où il y a mon fils qui est à moins de 6 km de moi et je peux pas le voir une fois. Parce que ça traumatiserait trop ses parents et ses grands-parents. Bon. Le monde s'en bat les couilles du fait que vous me traumatisez? Non. Vous appelez mon fils par son deuxième prénom, vous m'effacez de sa mémoire, vous m'empêchez de le voir. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous. Non, ouais. Passe crème l'histoire. Tant que tu n'auras pas fait un travail sur ta violence, mais la tienne de violence, Audrey, tu l'as travaillée. Bon, bref. J'en ai ras le cul. Tu me diras, c'est comme un disque rayé. En plus, là, j'ai un voisin. Tiens, ça va donner un autre sujet, Bastien. Tiens. Sébastien, pour les papiers. Je sais pas comment il s'appelle, son nom de famille.
présente comme Bastien. Ce mec m'a pris en grippe. Il veut qu'on se la mette et tout. Et au moment de lui dire, j'ai une médiation familiale le 27, s'il te plaît. Sois tranquille, j'ai pas envie d'y aller avec la gueule en vrac. Oh, rien à foutre, tu mérites pas d'être avec ton gosse, t'es un pervers. Ah ouais. Enfin, une Audrey bis, quoi. Bastien, c'est le genre de mec qui tape à boire des clopes à tout le monde, à tous ceux avec qui il vit. Et à l'extérieur, il est généreux, tu vois. On les connaît bien. C'est comme Audrey. Super généreux avec les inconnus, mais super, super avare et profiteur avec ses proches. Ouais. Ouais. Je sais pas quel est. Moi, avec les inconnus, j'ai essayé de faire un profit. Après, j'avoue, même avec ceux qui sont là, j'ai essayé de faire un profit. Mais bon, j'ai des clopes à vendre. Oh, ça, il fallait pas le dire. Au moins, c'est annoncé. Mort de rire. Donc c'est la merde. Je fais tout ce que je peux pour pas me battre. En plus, c'est vrai que j'aime bien me battre. Mais là, c'est pas le moment de se battre. Sur une mauvaise chute de lui ou de moi ou de peu importe. Ça peut direct prendre des proportions de merde. Mais j'ai que ça à foutre de perdre mes chances d'être avec mon fils à cause d'un camé, quoi. Sagittaire de merde. Sais pas comment ça va se dérouler avec Bastien. Mais il a l'alcool mauvais. Et c'est un alcoolique. Donc bon. Ça me tue de le dire. Mais la meilleure stratégie qu'il y aurait à faire, c'est que je fais tout propre cette caravane, je plie mes bagages et je cherche un autre endroit. Parce que ici, un jour ou l'autre, à cause de ce connard, je vais devoir le défoncer ou il va devoir me défoncer. Mais si je reste ici trop longtemps, je pourrais pas esquiver la bataille avec lui éternellement, vu dans quel état l'esprit il est. Enfin bref. Ça fait chier, je me plaisais bien ici. Mais c'est surtout que si je dois partir d'ici, pour aller où? J'ai pas le budget de la ville, j'ai toujours pas de travail. J'ai pas envie de squat Antoine. Ah non, je suis dans la merde. Ici, c'est un peu comme un Éden, quoi. En plus, pour passer le temps, je plante des patates, des tomates,
Des salades. Même donné les fraises à planter. J'ai même planté tous les fraisiers qui étaient en train de pourrir. Elles ont vraiment pourri. Je me demande si les racines vont survivre. Mais pourquoi pas. Ici, c'est mon paradis, quoi. Pire, c'est que l'autre connard à l'extérieur. Oui, il est sur mon terrain et tout. Putain, ton terrain. J'aimerais bien t'entendre le dire ici, quoi, c'est ton terrain. Enfin bref. Voilà un exemple de gars qui est généreux à l'extérieur et avare à l'intérieur. Mais c'est pas de l'avarice. C'est profiteur. Et il vient me donner des leçons de morale. Il tape de l'alcool à tout le monde. Il va acheter une bouteille de gnôle. Et au lieu de rembourser ou de ramener à ceux qu'il a tapé pendant un mois, il va l'offrir à des gars qu'il connaît pas dehors pour bien se faire voir et passer une bonne soirée, quoi. Et il me traite moi de connard. Alors que moi j'ai essayé de faire du profit avec justement les étrangers. Et que j'ai pas squatté leur ambiance quoi. En plus là-bas il m'a pourri, il m'a traité de connard. Il a dit le profit que je me suis fait. Bah ouais, mais moi derrière, j'ai pas profité d'eux, je suis parti. Enfin bref. Ça me fait chier. C'était si bien ici. Et je vais devoir partir.